c'est difficile de partir en vacances parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Comme d'autres, là, j'ai qu'à faire des vacances. La vie de l'école. Ils ont ce lieu, un beau studio, très grand. Ils y sont toute la journée. Ils ont les cours, les ateliers, les répétitions. Parfois, ils reçoivent un public dans le lieu, qu'ils transforment alors pour l'occasion complètement. Ils en font la décoration. Ils vont recevoir un public à qui ils vont offrir à boire également. Et créer un spectacle pour cet événement-là, pour une date précise. En danse, nos élèves travaillent la barre au sol, qui est une base de placement et d'assouplissement. C'est vrai que j'ai travaillé avec Boris Niazev jusqu'à sa mort, jusqu'en 1974. Pour moi, c'est la base du travail que je fais dans l'école. C'est vraiment l'utilisation du corps le plus finement possible. On travaille évidemment en danse moderne, en danse jazz, en danse contemporaine. On a également des cours de classique. Et puis des cours de danse-théâtre, danse-expression et d'improvisation. Alors en improvisation, on travaille beaucoup de notions. On travaille aussi bien sur la danse-contact. On travaille les portées beaucoup. On travaille toutes les notions de suspension, de relâcher, les jetés. On travaille toutes les notions qui peuvent aider le danseur contemporain à développer un langage et à découvrir l'espace tout en explorant le corps et le corps dans l'espace et le corps avec le corps de l'autre et la rencontre de corps. Chaque discipline nous permet de former ou de compléter la formation d'un danseur, d'un chanteur, d'un musicien, d'un comédien ou d'un danseur, chanteur, musicien, comédien. L'élève fera son choix. Il pourra également décider, à l'issue de la formation, de se spécialiser ou de rester polyvalent. Quoi qu'il en soit, même s'il se spécialise, les disciplines qu'il n'aura pas choisies dans sa spécialisation lui seront extrêmement utiles, viendront l'aider à être beaucoup plus performant dans la discipline choisie. Penser en le disant qu'on ne l'avait pas pensé et que ça fait penser qu'on aurait pu y penser sans le dire. Ça sert à ça, la réflexion. Les grandes pensées sont muettes. Non, c'est les grandes douleurs. Voyez là, je dis muette, je pense mouette. Ça n'a aucun rapport. Je peux bien le penser, mais c'est pas intéressant de le dire. Je le dis parce que je l'ai pensé, mais c'est pas une pensée qui correspond à ce que je dis. Enfin, si, mais... A small room, a hall room, where I can smoke my pipe away, with my way head upon your knee, which Mr. and Mrs. on a little blue
chair. I wear far away upstairs a blue room. Far away upstairs. Stars, you are all I hope for, what I get and what I spouse. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque. Allez, vas-y, Jeannot, la nuit est à nous. Quelle bonne colle. Oh. C'est parce que je vais lui faire de l'effet. Ça, c'est de l'excitation, ça. Je vais lui mordre l'or de l'oreille. Si je reçois pas une barre, c'est que j'ai ma chance. Allez, vas-y, Jeannot. Allez. Mais il est taré, ce mec, il vient de me mordre. Allez, vas-y, Jeannot. Oh, je crois que je vais vomir. Maybe I shall meet him one day. Maybe Monday. Maybe now. Maybe I shall meet him someday. To meet him someday.